Pour installer le support de la PS5 en mode horizontal, repère d'abord la série de formes à l'effigie de la manette à l'arrière. Prends ensuite le support et assure-toi qu'il est positionné dans cette orientation. Pas comme ça, mais plutôt comme ça. Ensuite, aligne chaque extrémité du support avec les formes et appuie. C'est tout, le support tient en place seulement par pression. Voilà, tu peux maintenant placer ta PlayStation à l'horizontale. Pour installer le support de la PS5 en mode vertical, retire d'abord le petit bouchon qui se trouve en dessous de la console. Juste en dessous se trouve le trou pour la vis que nous allons bientôt utiliser. Ensuite, prends le support et fais-le tourner dans le sens anti-horaire. Tu verras en dessous un compartiment dans lequel est rangée une vis que nous allons bientôt utiliser. Tu peux en profiter pour ranger le bouchon qu'on a enlevé au tout début. Remets la PlayStation à l'envers et positionne le support dessus de sorte à ce que les trous soient vis-à-vis pour que tu puisses visser la vis. Si t'as pas le luxe d'avoir un tournevis à portée, une pièce de monnaie fera très bien le travail. Serre-la bien, mais pas trop fort non plus. Et voilà, tu peux enfin remettre ta PlayStation en position debout. Enfin voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air et même t'abonner à ma chaîne, ça va t'aider à mieux me retrouver la prochaine fois que tu vas avoir besoin d'aide. Si tu as une question, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Je lis absolument tout et je vais peut-être même faire une vidéo en réponse juste pour toi. Mais enfin, cette vidéo était gratuite, alors si le cœur t'en dit, tu peux me faire un don avec le lien dans la description. Tu peux aussi venir jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Merci encore. Salut.